les gars, c'est Gpad. Dans les gars, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau pack opening. Ça faisait longtemps que j'ai plus fait de pack opening, c'est vrai. Mais là, je vais m'en refaire. Donc là, j'ai 400 000 crédits. Je pense ouvrir les 10 packs qui sont à 15 000 crédits. Donc ça fera 150 000 crédits de pack. Donc tout autour de pack. Donc voilà, donc les 10 packs à 15K. Donc c'est 24 éléments, dont des joueurs et des consommables. Au moins 20 en or. Avec 7 rares, donc en gros c'est l'équivalent de 2 packs à 7500, mais il y a un joueur, enfin un élément rare en plus, donc c'est intéressant, même si bon, voilà, c'est juste pour la vidéo que ce sera un petit peu plus court, vu que ça fait un pack pour 2 packs, voilà. Un pack pour 2 en gros, donc on démarre avec le premier pack, on espère avoir de la chance, hein, vu que là c'est la TOTS Ligue 1, la TOTS Serie A, et moi avec ma chance de merde malheureusement. On verra bien. Allez, on croise les doigts. Ça fait longtemps que j'ai pu voir deux packs comme ça. Ça fait un bon petit bout de temps que j'ai plus fait de pack opening. C'était plus depuis la Totti, je crois. Sirigu, comme par hasard, un joueur qui n'est pas Tots, alors qu'il aurait pu l'être. Ça va, j'ai pas un peu les deux goals du PSG. Normal. Pedro Junior, Oilet et Illicic. Et le reste des contrats, de la forme, etc., etc. J'ai aussi Dzeko. On va tout garder. Je vais pas non plus mettre 3 ans pour la vidéo à chaque fois de trier, etc. Bon, c'est cool, je sais pas, je m'en fous. Hein. Ah, j'ai Monsieur Ko. Monsieur Ko, le petit chinois. Ou enfin, japonais, je ne sais pas, en quelle sorte d'idée. Ensuite, donc le deuxième pack. Alors, par contre, vous aurez les 10 packs, hein, la suite. Je pense pas couper, je vais tout laisser au montage. Après, pour les prochains packs opening, parce que oui, maintenant, je ferai un pack opening par semaine. Donc voilà, je reviens en force à ce niveau-là, au niveau des packs opening. Donc, deuxième pack. On achète Jou, donc c'est un bon joueur, mais il vaut rien malheureusement, comme le reste des joueurs que j'ai pu avoir. Bah, s'il joue en D1 turc et qu'il est camerounais, donc il vaut rien. Alors franchement, il est super fort, hein, prenez-le pour ceux qui veulent se faire des équipes de Galatasaray, des équipes du Cameroun, il est vraiment fort, hein, prenez-le, franchement, il est énorme. Avec Nunke, c'est deux monstres. Donc ouais, je disais, donc le retour des packs opening, il y en aura un par semaine, parce que je suis passé partenaire avec FIFA Crédit, donc j'en remercie fortement déjà, et donc, bien sûr dans la description, allez voir, hein, vous avez le site, pour prendre des crédits, donc pour la Xbox par exemple, c'est 8€ les 100k, donc c'est vraiment pas cher. Donc Elmander, j'ai Westwood, il est pas mal du tout, malheureusement, c'est pas le truc des Irlandais, là Saint-Patrick. Comme c'est Eduardo, ça fait toujours, ouais, ça fait étoile toujours. Malheureusement, pas de joueur Tots, c'est ni de booster. Ah oui, au niveau des boostés aussi, il y a bien sûr Nasri. Donc si Nasri je peux l'avoir, ce serait vraiment énorme. Tout comme Palacio. Il y a aussi Bonnie et aussi Lucas. Donc c'est vraiment intéressant ce niveau-là. Après bon, le reste c'est pas top, hein. J'ai pas souvenir d'avoir vu des joueurs excellents avec des prix énormes dans le reste des joueurs. Après pour les Totti, plutôt pas les Tots, excusez-moi. Pour les Tots de la Serie A, vraiment du lourd, hein, partout. Pour la Ligue 1, pourquoi j'ai des joueurs de Serie A, là, pas me saouler, hein. Julio César, Totti, Salpingidis, Mertens, ah oui d'accord, c'est Martens, pardon, c'est pas supposé. Et Lallana, qui avait été Mosk Assistant un petit bout de temps, 3 semaines je crois, malheureusement il n'est pas aujourd'hui, hein. Bologne, ça j'ai déjà, bon je sais même pas où j'ai fait ça. Donc voilà, je sais plus où je disais, hein, malheureusement. Voilà, génial. Bon, allez, on ouvre le quatrième, c'est le quatrième pack. Le quatrième. Déjà 50 000 crédits d'ouvert, je crois. Enfin, deux packs d'ouvert. Donc, ouais, aussi une chose, ce que je disais, c'est que j'allais ouvrir donc, tous ces packs. Enfin, un pack opening par semaine, ce sera sur un second compte. Puisque, bon, voilà, maintenant tout le monde le sait, hein. Je pense plus que ça soit vraiment psychologique, hein, c'est vraiment le cas. Les comptes secondaires avec 0, enfin 1 ou 0 match, ça dépend si c'est le match de tuto. On a beaucoup plus de chances d'avoir des gros joueurs et c'est prouvé franchement maintenant. Au début je croyais pas, je me disais ok c'est bon, c'est comme toutes les techniques pourries qu'on dit, machin, ça sert à rien, mais franchement quand on voit la différence compte principal et compte secondaire avec 0 match. Les joueurs obtenus sont quand même beaucoup plus intéressants, mais bon voilà, je pense le faire, vu que j'ai plusieurs comptes secondaires, et du coup, ben, je m'offrirai un compte simplement, on verra bien. Donc du coup, j'irai ouvrir les packs sur les comptes là, on va amasser du lourd. Donc là, j'ai eu Barbo, Berardi, Nastasic, et après,
Sainte Calderon et le Camp Nou. Non, pardon, faut que je vire tout, pardon. Mais c'est des joueurs que j'avais déjà. Ensuite, c'est le 6ème parc, je crois. Ouais, non, le 7ème. À moins que je ne sache plus compter. À ce moment-là, tant pis pour moi. Donc aussi une chose maintenant, les packs opening, bah, du coup je les ferai le mercredi quand la Team of the Season sortira et après quand il y aura la Team of the Week. Pour la simple et bonne raison que je vois pas trop l'intérêt de les faire le lundi ou le mardi, vu que normalement les crédits je les aurai le lundi. Parce que simplement les joueurs, que ce soit de la Team of the Season ou la Team of the Week, auront déjà baissé à ce moment-là. Donc là, ben, ce coup-là j'ai vraiment eu Mertens, c'est pas Martens. Zakite qui est intéressant. J'ai eu aussi Amouma, je sais plus que j'avais d'autres. Oh, 500 crédits, je suis tellement content. Tellement content, merci beaucoup, Yé. Plus beau cadeau que vous aimez, que vous m'ayez fait. Que bon, depuis le début de FIFA, avec tous les packs que j'ai ouverts, enfin plutôt le début de FUT 14, avec les packs que j'ai ouverts, au niveau des joueurs que j'ai pu revendre cher, hein, vous vous souvenez au tout début, j'ai dû avoir Jesus Navas et j'ai dû vendre 30 000 crédits. Après, j'avais eu Adam Johnson Boost et lui, j'avais vendu 12 000 crédits ou 15 000 crédits, je sais plus. Après, j'ai pas souvenir d'avoir eu du gros, enfin du lourd. Non, j'ai eu Kel. Waouh, mais faut arrêter quoi. J'ai eu Mounier, Véron, Pienaar, Cacao, Lodberg et Taylor quoi. Cacao, il est vieux celui-là maintenant. Et après, j'ai peut-être eu des doublons, je ne sais pas. Une carte quoi? Rock, ça m'arrange. J'aime bien jouer avec des joueurs qui ont Rock. Et 3. Et 3, et 3, et 3. Et je crois avoir tout viré, je crois, au lieu de garder dans mon club. Tant pis. Le con. Tant pis. C'est pas grave, allez, plus que 2 ou 3 packs. Je sais pas si au moment où on prend un pack, ça enlève en bas à droite déjà, ou si c'est après, bref. Normalement, il devrait me rester plus que 250 000 crédits à peu près. J'ai eu Busquets, ça vaut rien. Oh la vache. Oh. Et en espérant que quand j'ouvrirai avec sur le compte secondaire, avec le compte secondaire, les packs, en espérant que j'ai mieux que ça, parce que là, franchement, putain. Il n'y a rien du tout. Dernier pack. D'ailleurs, moi, je pense plus que... Enfin, moi, j'ai pas entendu dire... Enfin, pas entendu les gens dire ça. Mais je pense plus que c'est le fait d'avoir fait pas de match. Enfin, comment dire... Qui privilégie ceux qui ont fait peu de matchs dans les packs. Après, peut-être que c'est pas ça. Hein, on sait jamais. Bon, j'ai eu YPS. Waouh, vive le pack. Tiani YPS. Avec Loé. Oh, mon Dieu. Qu'il est fort, lui. Putain. À part le Noza qui est fort. Après, le reste... Non mais les gars quand même, j'ai un pack il coûte 15 000 crédits, il me refile quoi? Il me refile 3 joueurs en argent, waouh. Avec un roumain en plus, mon dieu. Ouais, j'en ai rien contre les roumains. Alors, donc YPS, Siani, et après... Non, attendez, je vais regarder si j'ai pas des joueurs en doux, peut-être soit fort, on sait jamais. Ok, un ballon, c'est génial, merci beaucoup, Yé. Je vous remercie fortement. Enfin, au moins, je peux pas me plaindre à ce coup-là, les serveurs n'ont pas bugué pendant que je prenais les packs. Là-dessus, rien à dire, c'est parfait, aucun souci, merci beaucoup. Donc voilà, j'ai terminé, j'ai eu que du caca, de toute façon ça, fallait s'y attendre, hein, pour tous les packs opening que j'ai pu faire depuis le début de FUT 14, et même depuis le début de ma chaîne. Je n'ai rien eu comme gros joueur, je crois. Ah si, j'ai eu Robby Keane, Robby Keane était vraiment de la merde. Un boost, bien sûr. Donc voilà, ça c'était l'année dernière, donc j'ai que du caca, et ça continue. Voilà, et donc j'espère que les prochains packs opening, donc la semaine prochaine, quand... j'aurai les crédits du partenaire. De nouveau, n'hésitez pas à checker la description pour prendre des crédits pour quasiment rien pour Xbox. Après, sur Play, comme sur quasiment tous les sites de crédits, ça revient quand même à plus cher que sur Xbox. Malheureusement, je suis vraiment désolé pour vous. Et donc voilà, donc comme je disais, avoir plus de chance sur le compte secondaire en espérant que la technique marche. Donc voilà, c'était JPad. J'espère que le pack opening vous aura plu. Même si c'était du caca et même si je pense pas avoir été le meilleur concentrateur de pack opening au monde. Voilà, donc ciao les gars, bye tout le monde.